acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes très heureux de nous retrouver devant vous avec Papa Luboya. Merci beaucoup encore d'avoir répondu à notre invitation. Okay. Papa Luboya, il y a une certaine clameur à Kinshasa aujourd'hui. Il y a baisse des prix des denrées alimentaires, il y a les prix des billets qui ont chuté, il y a communiqué du ministère de l'économie, faisant un peu, menaçant un peu les commerçants pour qu'ils font monter les prix. Il y a une grogne, il y a des gouverneurs qui confirment cette baisse des prix des denrées alimentaires. Finalement, il y a une certaine cacophonie. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, Vous êtes un économiste, vous aviez participé dans les négociations de prix, vous étiez à l'ANESA, et c'est pour cela que nous disons, vu les questions que nos téléspectateurs sont en train de nous poser, nous nous sommes dit, nous n'allons pas aller très loin, et nous allons vous appeler pour que vous puissiez nous éclairer effectivement ce qui se passe en République démocratique du Congo pour ce moment. Je commencerai par la question de savoir d'abord cet environnement de baisse des prix, d'augmentation des prix, comment ça se passe dans le milieu économique et des entrepreneurs ou bien des entreprises publiques ou bien des exportateurs. Vous étiez dans cette ambiance-là. Comment ça se passe? Quel est l'élément moteur qui stimule cette histoire? En fait, s'agissant de mon pays, ce n'est pas un problème nouveau. L'augmentation des prix, la baisse des prix, ce n'est pas un problème nouveau. Nous avons sur ce plateau partagé longtemps. J'ai toujours dit que le pays doit changer le système de gestion. Parce que la gestion qui nous a été imposée, que nous avons continué à appliquer dans notre pays, ce n'est pas une gestion conçue et réfléchie par les Congolais eux-mêmes. Le principe d'augmentation des prix, économiquement parlant, c'est un principe qui est basé sur un autre principe qui est l'offre et la demande. Exactement. Oui, oui. C'est à ce niveau-là qu'on arrive à établir exactement les prix. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Ça, c'est le premier. Premier constat. Deuxième constat aussi. Parlant des biens d'importation,
L'État congolais saisit dans sa comptabilité nationale quelle part des biens d'importation? Nous avons toujours soutenu que 80% d'importation ou d'exportation se fait dans l'informel. Dans l'informel, l'État n'arrive pas à saisir ça. L'État saisit les 20%, ceux qui veulent être conformes à l'État, qui font confiance à l'État. Alors, les 20% sont préjudiciés souvent. Je me rappelle quand j'étais encore aux affaires, je disais que nous, à la NESA, nous gérons des entreprises rescapées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Ceux qui ont déjà connu faillite ou... Des entreprises qui tiennent encore vis-à-vis d'un climat non approprié pour un développement des affaires au Congo. Donc, des entreprises qui... Pas qui se sont sauvées, mais qui vivent les péripéties du pays, qui ne favorisent pas le développement du pays. Troisièmement, depuis l'accession du pays à l'indépendance, aujourd'hui on parle des importations, et quand on parle des importations, vous sentez que les gens citent toujours les Libanais, les étrangers, tout cela. Au fait, ce sont eux qui exercent le commerce oui, informel, même au Congo, évidemment, ou bien formel. Évidemment, les quelques Congolais qui se sont aventurés dans ces secteurs-là n'ont pas fait long feu. J'ai suivi hier ou avant-hier un intervenant sur le vaisseau qui parlait de Kalonji Senda, qui importait du riz de Taïwan. Mais il a été combattu. Je prends par exemple ceux qui s'étaient investis dans l'importation d'un pioli. Et qui n'ont pas. Gamin, non, non oui. Les Congolais. Les Congolais, oui. Oui, qui s'étaient improvisés dans ce secteur-là. Mais ils n'ont pas su tenir. Pourquoi ils n'ont pas su tenir? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'État joue son rôle dans la protection des investisseurs congolais? Ça, nous disons que non. Bon, maintenant. Le secteur d'importation en République démocratique du Congo, je crois qu'il est à 80% formellement, je dis bien formellement, assuré par l'étranger. Donc ce sont les Libanais, les Indiens, tout cela, ainsi de suite. Les Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais, et ainsi de suite. Bon, maintenant, comment est-ce que ces Indo-Pakistanais opèrent? Ils sont conscients de l'instabilité politique du pays. Ils sont conscients des conditions qui ne favorisent pas le développement vraiment du secteur privé dans le pays. Alors, toutes leurs actions, que vous le vouliez ou non, sont toujours augmentées d'une marge qui couvre ces risques-là. Ok, ok. Voilà, qui couvre ces risques-là. Et c'est ce qui explique que le prix sur le marché par rapport aux autres pays sont toujours en hausse. Un autre fait que nous pouvons signaler, où j'ai été personnellement contacté, ce qu'ils importent au pays, le prix qu'ils facturent au pays, est-ce le prix réel? Non! Mais ils doivent mettre aussi les transports et toutes les manutentions. Ici je ne parle pas de transport, je parle simplement le prix qu'ils facturent au pays. Les produits d'importation. Ce prix-là est-il réel? Mais comment, papa, comment est-ce que nous pouvons arriver? Comment expliquer à nos téléspectateurs comment on fixe le prix? Par exemple, moi, je suis un importateur, je me dis, bon, je viens avec 12 containers d'un Piodi et que j'ai acheté autant. Est-ce que c'est moi qui va me fixer le prix des détails ou bien il y a l'État qui fixe déjà le prix en disant que si vous avez acheté autant, votre marge bénéficiaire ne peut pas accéder par exemple 2% ou 3% de vos prix. L'État congolais accuse
un déficit et un manque d'experts, d'une expertise dans ce domaine d'import-export. C'est un domaine. Jusque-là, on n'a pas d'experts. Nous avons les experts qui, malheureusement, l'impact des intérêts. Je voudrais donner d'abord un cas personnel que j'ai vécu. Oui. Un ami me téléphone de Paris. Oui. À ce moment-là, j'étais encore aux affaires. Faites attention, l'impio du qu'on vous vend, voilà la procédure. Ce n'est pas vrai. On achète la tonne à 100 dollars. OK. Mais on facture au pays à 400 dollars. Mais c'est vous comprenez c'est ça? Presque le quadruple. Ou le quadruple. Moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit oui. Et j'ai eu le privilège, à cette époque-là, de voyager en Namibie. C'était à la conférence économique de la SADC. Donc, le pays de la SADC avec. Les grands qui siègent à Davos et okay, tout ça, ainsi de oui. suite. Alors, j'ai essayé d'explorer cette histoire. J'ai rencontré à cette époque-là le gendre du président de la République qui avait une entreprise d'une pêcherie industrielle. Il m'a fait visiter l'entreprise et tout ça. Et il m'a confirmé ce qu'on m'avait dit. Elle dit, nous ne vous comprenons pas. Vous nous dites que l'impio dit les cartons revient à autant dans votre pays, mais quand nous faisons les choses, le prix auquel, ce n'est pas normal. Et il me disait, ici, on prend l'impio dit à 100 dollars la tonne. Mais la facturation de celui qui importe, qui amène, hein. Adressé à la République démocratique du Congo est de 400 dollars la tonne. Bon, on a convenu avec lui pour voir comment arriver à casser cette histoire-là. C'est à ce moment-là que l'AFDL est arrivé. Okay. Le président Kabila est arrivé à Namibie, à cette conférence-là, à la veille de la clôture. Le lendemain, il a convoqué les Congolais qui avaient participé à la conférence. J'ai eu la facilitation du gouverneur de l'époque, Massangou, à voir un tête-à-tête avec le président Kabila. Je lui ai présenté le dossier. Il a dit, mais c'est pas vrai ça. Moi, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Il me dira, OK, quand nous allons rentrer au pays, il faudra venir me voir. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de temps. Quand nous sommes rentrés au pays, les requins étaient déjà prévenus de ce qui s'était passé en Namibie. Oui. Le gouvernement de l'époque a organisé une délégation qui devait descendre en Namibie pour vérifier les faits et tout cela, ainsi de suite. Et cette délégation était dirigée par le ministre de l'époque, Talangaï. Et dans la délégation, il y a eu quelques expertises congolais. Okay. Tu me connaissais. Mais arrivé en Namibie, le lendemain, on leur dit, bon, écoutez, attendez-nous ici, on va vous appeler. Le ministre est allé là où on l'avait appelé. Quand il est revenu, il a dit, non, ça va, on a négocié, on rentre au pays. Donc et la mission était terminée. Était terminée. Qui m'a rapporté ce qui s'était passé en Namibie? Deux des experts qui étaient dans la délégation, qui me connaissaient très bien, et qui sont venus me dire ça. Voilà comment le pays fonctionne. Et ces dossiers-là, à Kinshasa, je n'ai jamais rencontré Kabila, à part une rencontre qui n'avait rien à voir. On peut conclure un peu sur ça que... C'est ça justement qui se passe, qui se transmet de génération en génération. Et c'est là où il faut pointer pour résoudre ce problème.